La CMU qui est censée permettre aux Ivoiriens de se soigner, la CMU, je ne sais pas, elle n'est pas efficace. Les Ivoiriens le savent, vous allez en Côte d'Ivoire, vous interrogez ne serait-ce que 10 personnes dans la rue, il y en a qui ne connaissent même pas la CMU, elle n'est pas du tout efficace. On augmente le SMIC pour 10% de la population, mais c'est 100% de la population qui subit les effets pervers. Pourquoi? Parce que quand on augmente le SMIC, ça veut dire que les charges salariales des entreprises augmentent. Tout à fait. Et quand les charges salariales augmentent, ça veut dire que les charges sociales des entreprises augmentent. Il y a aussi un projet, c'est que je compte me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Spécialiste de la protection sociale et président du mouvement citoyen de la Côte d'Ivoire sociale, Monsieur Donatien Robé est l'invité d'ActuPeople.net pour ce numéro. Et dans ce numéro, justement, nous allons en apprendre davantage sur l'indice de développement humain, sur les politiques de développement social, particulièrement en Côte d'Ivoire, l'état des lieux. Est-ce qu'aujourd'hui, la croissance économique dont on parle tant, est-ce que cela est perspective, en tout cas au niveau des couches les plus représentatives en Côte d'Ivoire? En tout cas, c'est un expert. Et avec lui, nous allons donc développer cette thématique très, très technique. Mais au-delà, nous allons aussi surfer forcément sur l'actualité politique parce que son champ aussi de prédilection, ça reste la politique. Bonjour, Monsieur Robé. Bonjour, Monsieur Agès. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je voudrais vous dire merci parce que vous avez fait le déplacement de Paris pour venir nous trouver à Nantes pour cette interview. C'est dire combien de fois vous voulez vous adresser à la masse, vous voulez vous adresser à l'opinion publique. Et est-ce que c'était assez important pour vous, en tout cas, de faire cette sortie, cette interview pour vraiment développer les thèmes que j'ai avancés tout à l'heure dans l'introduction? Oui, merci, merci de me recevoir. Effectivement, c'est important pour moi de m'exprimer sur cette thématique-là parce que j'estime que les Ivoiriens ont besoin d'éclairage, ils ont besoin de savoir un certain nombre de choses. Vous savez que dans le débat politique aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se disent et malheureusement, la population ne sait pas les tenants et les aboutissants de telle ou telle politique sociale ou telle politique publique. Donc, j'ai souhaité m'exprimer et j'ai aussi un projet, c'est que je compte me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Donc, il fallait que je m'exprime sur pas mal de sujets. Projet Grandeur Nature avec un très bon timing. Nous sommes en octobre 2024. Un an avant, donc, vous annoncez là votre candidature en tant que vous candidatez à la candidature pour être président de la République de Côte d'Ivoire pour octobre 2025. En tout cas, c'est un très grand projet, c'est un très beau projet. C'est clair que par rapport aux arguments que vous allez développer sur notre plateau en ce jour, certainement que vous allez avoir pas mal de sympathisants, pourquoi pas. Bien avant votre parcours, c'est quoi? Alors, vous avez dit, je suis Donatien Robé, je suis socio-économique, économiste, et je suis consultant indépendant en protection sociale, je fais des analyses socio-économiques, je fais des évaluations de politiques publiques, notamment des politiques publiques sociales. Et donc, mon travail, c'est de rédiger des rapports d'études. Alors, j'ai aussi, ça c'est important pour moi, il faut que je le dise, j'ai connu le parcours quasiment classique des Ivoiriens en France. J'ai été agent de sécurité, j'ai fait le ménage comme tout le monde, mais après j'ai repris mes études pour justement me donner un sens à beaucoup de choses parce que j'ai des combats que je mène, notamment les politiques sociales, et donc il fallait que je me forme dans ces domaines-là bien précis. Et donc voilà, je suis très très concerné par les politiques publiques sociales en Côte d'Ivoire. À la suite de ces formations, justement, quelles sont on peut avoir une idée des formations que vous avez faites et votre niveau, enfin les diplômes que vous avez pu obtenir à la suite de ces formations en question? Oh, j'ai fait 3 diplômes de niveau 7, c'est-à-dire Bac plus 5 en France. Un master, comme beaucoup l'ont aussi, un master et puis 2 certificats de spécialisation. Un master à l'université, à la faculté d'économie de Grenoble. Et puis 2 certificats de spécialisation, un en innovation sociale, l'autre en économie sociale, au Conservatoire national des arts et métiers de Paris, dans le 1er arrondissement, donc le CNAM. Donc voilà, je pense que bon, ce n'est pas le plus important, hein, les diplômes, pour moi, ce n'est pas le plus important. Non, mais une chose est sûre, c'est que vous êtes outillé, en tout cas, pour parler des sujets dont on va parler aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important, parce que vous êtes expert, vous êtes spécialisé dans ce domaine. Et c'est dire que vos prises de parole aujourd'hui, elles sont assez légitimes, d'autant plus que vous avez, en tout cas, vous êtes formé à pouvoir parler de tous ces sujets. Bien avant, là, vous voyez que je tiens entre les mains des ouvrages. Ce sont des ouvrages qui sont écrits par M. Donatien Robé
Proposition pour la Côte d'Ivoire sociale sortie donc aux éditions Les Impliqués. Ensuite, le forfait sanitaire au secours de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, toujours de Donatien Robé. Financement de la santé en Afrique, le choix de l'assurance maladie obligatoire. Pour vous dire que, en tout cas, notre invité du jour est très outillé. Et comme je vous ai dit, il a cette légitimité, en tout cas, à faire une prise de parole sur les différents sujets que nous allons aborder. Mais bien avant d'aborder ces différents sujets-là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'actualité politique. Forcément, on fait cette interview, en tout cas, quelques jours après cette sortie qui fait boule d'énergie aujourd'hui dans le landerneau politique africain et même voire outre-africain. C'est cette sortie de Robert Bourgie. Un commentaire là-dessus. Vous en avez entendu parler, forcément, je ne vais pas revenir là-dessus. Votre commentaire. Oui, j'en ai entendu parler. Mais écoutez, moi, je pense que M. Bourgie joue toujours le rôle qu'on lui a sans doute confié. Il a joué un rôle du temps de Gbagbo, président de la République. Il joue un autre rôle. Bon, on aura l'occasion de savoir, mais je pense qu'il est dans son élément. On ne sait pas encore les tenants et les aboutissants de ce qu'il dit. On aura l'occasion de savoir, mais il est dans son rôle qu'il a toujours joué. Comme vous dites, les anciens éléments, ce jeu de rôle aujourd'hui qu'il joue, selon vous, cette prise de parole-là, à un an des élections en Côte d'Ivoire, selon vous, cette prise de parole pourrait profiter à qui, éventuellement? On ne peut pas le savoir, je ne suis pas devin, mais on aura l'occasion de le savoir plus tard. L'avenir le dira. Je pense que c'est quelqu'un qu'on utilise, que sans doute la France ou les dirigeants français utilisent pour dégommer tel ou tel président ou pour renforcer tel ou tel président de la République. On ne sait pas, honnêtement. Lorsque vous parlez de dégommer en plan axiologique, vous verriez dans la prise de parole de M. Robert Bourgie le fait qu'aujourd'hui, comme certains ont pu le penser, que le président Alassane Ouattara ne serait plus en odeur de sainteté avec le pouvoir français, c'est ça quelque part? C'est ce que vous voulez dire? Je ne sais pas exactement, mais quand il dit que le président Ouattara a perdu l'élection de 2010, alors que ça n'a jamais été le cas, toute la sphère politique en France a toujours considéré que le président Ouattara a gagné l'élection, et aujourd'hui, il dit qu'il remet en cause tout cela, il y a bien des idées derrière. Donc je pense qu'il est dans son rôle, qu'on lui a sans doute confié, mais on aura l'occasion de le savoir. Mais selon vous, comme vous l'avez tout à l'heure, remettre en cause, en quelque sorte, on va dire, cette victoire du président Alassane Ouattara, rimerait à quoi, selon vous? Sans doute pour l'affaiblir. L'affaiblir après 15 ans au pouvoir, selon vous? Oui, mais sans doute qu'on voudrait qu'il parte aujourd'hui et peut-être qu'il fait de la résistance, je ne sais pas. Et vous pensez qu'il n'y aurait pas d'autres voies, d'autres supports mieux outillés à lui faire passer ce message, que ce soit sur un média de service social français? On peut affaiblir. Et service public français, du moins. On peut affaiblir un président de la République par la communication, par des prises de parole, ça aussi c'est possible. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il veut obtenir comme résultat. Toujours est-il que c'est dire que le président Ouattara a perdu l'élection présidentielle en 2010, c'est quand même fort. Non, ce n'est pas lui qui le dit. Il dit que la Constitution avait proclamé le président Laurent Gbagbo comme président. Donc, voilà. Oui, mais si... Il éteigne aussi avec ce postulat. Mais le même avait déjà dit que Laurent Gbagbo avait perdu l'élection en 2010. Il avait déjà dit. Donc, s'il se dédie aujourd'hui, il sait pourquoi il le fait. Moi, Donc, pour vous, il y a un agenda caché derrière tout ça. Évidemment, tout le monde le sait. On ne sait pas où il veut en venir, mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Parfait. Autre cette actualité brûlante, politiquement parlant, forcément, qui fait encore débat, qui va continuer à faire débat pendant des mois. On sait que vous êtes vraiment sur des thématiques sociales. Et on a vu récemment les prises de parole aussi du président Tidjane Thiam, président du PDCIRDA, qui parlait de l'indice de développement humain. Ça a été, en tout cas, on va dire, des thèmes pas assez nouveaux, mais des thèmes que les Ivoiriens, dans leur large majorité, ont entendu parler. Si vous devez vous exprimer sur ça déjà, sur l'indice de développement humain, qu'est-ce que vous diriez, vous, en tant qu'expert? Alors, il faut dire que l'indice de développement humain est un indice composite. C'est-à-dire qu'il est composé de trois éléments. L'espérance de vie, le niveau d'études et le niveau des revenus des populations. Donc, vous savez que on a toujours pensé que le produit intérieur brut, le PIB, pouvait déterminer le niveau de richesses d'un pays. Finalement, on s'est rendu compte que c'est pas possible que le PIB à lui seul dise que tel pays est en bonne santé économiquement. Donc, on a aussi mis en place l'indice de développement humain, l'IDH, pour essayer de voir réellement est-ce que si, même s'il y a la croissance dans un pays, est-ce que l'ensemble de la population en profite. Donc la Côte d'Ivoire avait, il y a 20 ans, la Côte d'Ivoire avait un indice de développement faible,
Mais la Côte d'Ivoire était bien classée. La Côte d'Ivoire avait une place de... Économiquement? Non, dans le rang, parce qu'il y a un rang mondial. Ok. La Côte d'Ivoire était bien classée, occupait, je crois, la place de 100, 102e, 103e. En tout cas, je n'ai plus exactement le classement, mais la Côte d'Ivoire était bien classée. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a un indice de développement moyen. Et il se trouve que la Côte d'Ivoire est mal classée. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, dans l'ensemble, tous les pays ont progressé en indice de développement humain. Mais quand vous perdez votre place, ça veut dire que vous n'avez pas été dans la progression de l'ensemble du groupe. Quand dans une salle de classe, vous avez 9 de moyenne et que vous êtes mal classé, vous êtes 10e, et que au trimestre prochain, vous avez 10 de moyenne, mais vous êtes mal classé, c'est-à-dire vous êtes 25e, ça veut dire que l'ensemble de la classe a progressé, mais vous n'êtes pas dans la moindre progression de l'ensemble de la classe. C'est ce que ça veut dire. Parfait. Tout à l'heure, lorsque vous parliez d'indice de développement humain, de l'IDEA, justement, vous avez dit que ça fait partie aujourd'hui des leviers pour, on va dire, analyser du développement économique d'un pays outre le PIB. Mais où on en est aujourd'hui, si on prend tous ces facteurs-là, vous avez parlé du côté IDH, si on prend aujourd'hui en termes de PIB par rapport au développement économique en Côte d'Ivoire, où en est-on? Ben, le PIB en Côte d'Ivoire a augmenté par rapport à 2010. On est bien d'accord, il n'y a pas de discussion à faire. Sauf que le PIB ne profite pas à la population. Le PIB en Côte d'Ivoire est situé autour de 47 000 milliards aujourd'hui. Mais c'est le travail des Ivoiriens qui a permis d'avoir ce PIB. Parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de politique structurelle ou même conjoncturelle qui a pu permettre d'avoir ce niveau de production de la richesse. C'est la consommation qui a permis, la consommation interne, donc la consommation des Ivoiriens qui a permis d'avoir ce niveau de PIB. Que la population n'en profite pas dans le sens d'améliorer la demande en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème de redistribution de la richesse en Côte d'Ivoire. On redistribue la richesse à travers les politiques sociales. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique sociale efficace dans notre pays, malheureusement. Et donc, on ne peut pas redistribuer la richesse. Ce qui Mais fait... outre la politique sociale que vous vouliez, on va dire, développer, parce que ce PIB, quelque part, a impacté plus ou moins le SMIC. On voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire le salaire minimum interprofessionnel garanti a augmenté aussi depuis 2013, je crois bien. Donc, en quoi est-ce que cela ne profiterait pas à la population? Écoutez, le SMIG a effectivement augmenté, je crois que c'est à partir de 2013, mais le SMIG concerne exactement l'économie formelle. C'est-à-dire l'économie formelle, c'est tous les fonctionnaires et tous ceux qui sont déclarés à la CNPS, mais ça fait 10% de la structure de notre économie. Les 90% qui sont dans l'informel ne sont pas impactés par la hausse du SMIG. Or, quand on augmente le SMIG, concrètement, tous les salaires qui font 1,5 fois, voire deux fois le SMIC augmente pour éviter ce qu'on appelle l'écrasement de la hiérarchie des salaires. C'est quoi l'écrasement? Alors, de façon concrète, quand un ouvrier dans une entreprise, il a 60 000 francs, 75 000 francs, 60 000 francs, on va dire, pour être beaucoup plus compréhensible, 60 000 francs de salaire, et son chef d'équipe a 80 000 francs CFA. Quand vous augmentez le SMIC, c'est-à-dire que cet ouvrier qui est au SMIC, quand vous augmentez son salaire qui est à 80 000 francs, le chef d'entreprise est obligé d'augmenter le salaire du chef d'équipe. Tout à fait. Parce que s'il ne le fait pas, il aura écrasement. Donc pour maintenir la hiérarchie des salaires, il faut qu'il y ait une différence, toujours maintenir cette différence entre l'ouvrier et son chef d'équipe. Donc on oblige, par la hausse du SMIC, on oblige l'employeur à augmenter le salaire aussi. Du chef d'équipe. C'est pourquoi je dis que quand on augmente le SMIC, implicitement, on oblige l'employeur à augmenter tous les salaires qui font 1,5 fois, voire deux Oui, fois outre le cette SMIC. augmentation justement, mais le fait que déjà le SMIC augmente, et cela veut dire que quand même cela aussi impacte les populations. Lorsque vous dites que le développement économique en Côte d'Ivoire n'impacte pas les populations, il n'y a pas de contradiction quelque part? Non, ben, je viens de vous dire que quand on augmente le SMIC, c'est juste dans
L'économie formelle. OK. Tous ceux qui existent dans l'économie informelle ne sont pas impactés. L'économie formelle en Côte d'Ivoire, ça peut représenter combien selon vous en termes de... 10% de la structure, c'est ce que je viens de dire. Donc en termes de l'informel, c'est près de 90%. Donc ce qui voudrait dire, en termes de déduction beaucoup plus simple, ce qui veut dire que si par exemple sur 10 millions d'Ivoiriens, par exemple, 1 million d'Ivoiriens vont bénéficier de cette augmentation, mais les charges, d'autant plus que lorsqu'on augmente le SMIC, on va augmenter aussi, on va dire, le prix des denrées aussi va augmenter. Donc les effets, ça va impacter les 90 qui ne sont pas concernés par cette augmentation quelque part. Bien évidemment, c'est-à-dire que on augmente le SMIC pour 10% de la population, mais c'est 100% de la population qui subit les effets pervers. Pourquoi? Parce que quand on augmente le SMIC, ça veut dire que les charges salariales des entreprises augmentent. Tout à fait. Et quand les charges salariales augmentent, ça veut dire que les charges sociales des entreprises augmentent. Pourquoi? Parce que les cotisations sociales sont assises sur le salaire brut. Donc quand les deux augmentent, les prix augmentent. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur, le chef d'entreprise ne se pose pas de questions, il fait répercuter sur le prix de vente. Du coup, c'est l'inflation. Et c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Tout à ça, et le SMIC, cette augmentation des prix sur le marché a été renforcée déjà à partir de 2012 avec aussi la hausse des charges sociales des entreprises parce qu'il y a eu une réforme du système de retraite en Côte d'Ivoire. Ces deux effets conjugués, ben, évidemment, on ne pouvait qu'avoir l'inflation dans notre pays. Et c'est ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Mais comment résorber cela, vous qui êtes expert dans le domaine? Solution concrète. Ben, ça veut dire qu'il faut... Il faut revenir, par exemple, à l'ancien système. BBL, votre boisson 100% énergie. Au niveau des retraites, par exemple. C'est-à-dire? On a fait une réforme de retraite. Dans cette réforme, on a augmenté les cotisations sociales des entreprises. Évidemment, les entreprises vont faire répercuter sur le prix des ventes. Donc, il faut revenir à l'ancien système, c'est-à-dire que baisser les cotisations sociales. Ou alors, le SMIC, il peut rester, mais il faut faire des réformes pour faire en sorte que, par exemple, il n'y ait pas de cotisations sociales, par exemple, sur tous les salaires, tous les salariés qui sont au SMIC. Il y a des mesures comme ça pour faire en sorte que les populations ne ressentent pas cela. On peut aussi jouer sur la demande. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, avoir une protection sociale efficace. Si on a une assurance maladie, parce que les dépenses de santé sont des déterminants de la pauvreté en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il y a des gens, rien que pour avoir la santé, ils basculent dans la pauvreté. À partir du moment où vous dépensez 40% de vos revenus, vous basculez dans la pauvreté parce que 40% de vos revenus, ça veut dire que vous ne pouvez plus avoir les moyens de payer soit votre loyer ou bien scolariser vos enfants. Avant de parler de l'AMU dont vous aviez parlé dans un ouvrage, le forfait sanitaire au secours de la couverture maladie universelle en Côte d'Ivoire, avant de pouvoir développer ça, lorsque on parlait de ce développement, on va dire, économique en Côte d'Ivoire qui est, on va dire, sous-tendu quelque part par rapport au PIB et autres. On va dire, ce développement aujourd'hui, on le matérialise en Côte d'Ivoire par les infrastructures aussi, quelque part. Mais lorsqu'on voit, à contrario, c'est un constat, et je pense que la plupart de ceux qui observent la situation politique en Côte d'Ivoire, économique et éventuellement aussi, voient que la plupart des travaux qui sont effectués, que ce soit en termes d'infrastructures routières et autres, c'est adossé pour la plupart à des prêts bancaires. Comment vous expliquez cela? Oui, bon, évidemment, déjà, il faut savoir que emprunter de l'argent, c'est normal pour un pays. Il faut tout, on peut. Moi, je ne critique pas l'emprunt. C'est normal qu'un pays s'endette. Mais bon, quand on s'endette et on construit des infrastructures routières, bon, il faut vraiment prouver que ces infrastructures routières permettent au pays. Et est-ce que c'est productif tout de suite? Non, outre la productivité, je veux dire, moi, on me dit j'ai de l'argent. Je donne un exemple simple, de manière concrète. J'ai de l'argent, je dois pouvoir faire des réalisations.
au lieu de faire ces réalisations avec le gain que j'ai, avec la plus-value que j'aurais fait dans mon économie, je vais plutôt m'endetter pour pouvoir réaliser des choses. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'y a pas contradiction là dans moi, ce développement financier personnel que j'ai et le fait que j'aille emprunter pour pouvoir mettre en place des investissements quelque part? Oui, normalement, quand vous avez... La croissance dans votre pays, Tout à la fait. croissance est censée renflouer les caisses de l'État. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de richesses qui se créent dans le pays et donc les populations, les entreprises paient des impôts, ce qui va permettre aux caisses publiques d'avoir suffisamment d'argent. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'on a de la croissance, mais cette croissance ne permet pas de renflouer les caisses de l'État. Du coup, on va s'endetter. Je vous donne un Pourquoi est-ce exemple. que ça ne renfloue pas les caisses de l'État? Ben, Expliquez-nous. sans doute qu'il y a des personnes qui, ou alors des entreprises qui ne payent pas d'impôts. Je vous dis, à partir, en 2012, la Côte d'Ivoire a mis en place ce qu'on appelle un coût des investissements. Ce coût des investissements qui est censé inciter les entreprises à investir, finalement, ce coût d'investissement est ce qu'on appelle un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on donne de l'argent à des entreprises qui investissent, alors que ces entreprises, sans ce coût des investissements, sans cette politique incitative, allaient quand même investir. Donc c'est un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'elles cherchent de l'argent, ces entreprises-là, mais on leur donne encore de l'argent, parce qu'il y a des crédits d'impôt qu'on leur donne, qu'on leur accorde. On leur accorde des réductions fiscales. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir évaluer ce coût des investissements. Est-ce qu'il est productif? Est-ce qu'il est efficace? Est-ce qu'il permet à la Côte d'Ivoire d'avoir des investissements, d'autant plus que aujourd'hui la croissance économique est tirée vers le haut par la consommation des Ivoiriens, comme je l'ai dit, à plus de 70%. Et les investissements, les deux, c'est-à-dire public et privé, c'est 27%. Ça vient loin derrière la consommation. Donc si on donne de l'argent aux entreprises, la contrepartie, j'aurais voulu, et même l'investissement privé, ça fait 17%, parce que l'investissement public, c'est 10%. Donc, on met en place un code des investissements pour avoir que 17% d'investissement privé. Ce n'est pas rentable. Enfin, c'est ce que je pense, et je pense qu'il va falloir, à un moment donné, évaluer cette politique-là pour savoir si elle est efficace, si elle permet... Au-dessus d'analyser pour voir si cette politique est efficace ou pas, vous, en tant qu'expert, je suppose que ce sont des questions auxquelles vous réfléchissez tout le temps, très souvent, lorsque vous faites un tel état des lieux, quelle solution idoine là sur ce plateau vous pourrez proposer éventuellement? Mais je vais te donner un élément de réponse. Je dis qu'on n'a que 17% d'investissement privé. Avec tout ce qui a été mis en place pour attirer des investisseurs, on n'a que 17% du PIB. Donc, ce n'est pas rentable, de mon point de vue. Alors que... Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Mais Au-delà des éléments, qu'est-ce qu'il faut faire il faut concrètement? remettre en cause ce coût des investissements et il Maintenant, faut quand on le mettre... remet en cause, qu'est-ce qu'on donne comme Mais il faut solution? investir dans la demande. OK. La Côte d'Ivoire a aujourd'hui une politique de l'offre, c'est-à-dire privilégier les entreprises. Et elle a délaissé la politique de la demande. La politique de la demande, c'est quoi? C'est de faire en sorte que l'Ivoirien puisse avoir un pouvoir d'achat élevé. Et il faut lutter contre tous les déterminants de la pauvreté, c'est-à-dire les dépenses de santé. Si on a une assurance maladie qui est efficace, évidemment, les Ivoiriens vont plus s'appauvrir en voulant recouvrer la santé. Et donc, on lutte contre la pauvreté. C'est un instrument puissant, l'assurance maladie. Mais la CMU qui est censée permettre aux Ivoiriens de se soigner, la CMU, je ne sais pas, elle n'est pas efficace. Les Ivoiriens le savent. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous interrogez ne serait-ce que 10 personnes dans la rue, il y en a qui ne connaissent même pas la CMU. Elle n'est pas du tout efficace. Vous ne pensez pas qu'on en fait assez la promotion quand même? Les Ivoiriens connaissent Oui. la SEMU? Oui, je veux dire, ils ne connaissent pas la CMU en termes d'efficacité. C'est-à-dire qu'ils ne vivent pas au quotidien avec la CMU. Quand
Et quand ils sont malades, ils payent. Vous savez que 60% des dépenses en Côte d'Ivoire sont liées au paiement direct. Le paiement direct, c'est quand vous êtes malade, vous payez la consultation, on vous consulte, vous allez chez le pharmacien, vous payez les médicaments et vous donne. C'est quand il n'y a pas d'assurance maladie dans un pays. Or, dans un pays, quand il y a une assurance maladie, c'est le tiers payant. C'est-à-dire que vous payez 30% et puis, bon, voilà, vous payez, en tout cas, vous dépensez moins. Mais nous avons 60% des dépenses remboursées. Et ça, c'est pour ceux qui vont à l'hôpital. Ceux qui vont à l'hôpital, mais ceux qui font de l'automédication, quand on rajoute tout cela, ceux qui font de l'indigénat, on rajoute tout ça, on se retrouve avec 80% des dépenses qui sont liées au paiement direct. Avant de continuer avec l'assurance maladie universelle, l'AMU et autres, revenons un peu à la croissance. Tout à l'heure, on parlait du PIB. À ce jour, par exemple, qu'on appelle ça, le budget de financement, on va dire, le budget par rapport à tout ce qui est financement de l'État de Côte d'Ivoire, ça s'élève à combien? On a 13 000 milliards. 13 000 13 000 milliards. milliards. Ces 13 000 milliards, vous qui êtes expert dans ce domaine, sont financés comment? Ben, 13 000 milliards, dans les 13 000 milliards, vous avez autour de 5 800 milliards de dettes. C'est-à-dire autour de 42-43%. Ce n'est pas normal. Alors que nous avons. C'est-à-dire, Ben, c'est-à-dire que sur 13 000 milliards, on emprunte 5 800 milliards. OK, C'est pour incroyable. boucler ce budget. Pour boucler ce budget. OK. Alors que nous avons une croissance depuis 10 ans, plus de 10 ans, une croissance économique qui est censée faire rentrer de l'argent. Mais pourquoi le trésor public n'a pas suffisamment d'argent pour financer les politiques publiques? Et on est toujours obligé de. Je pense que la Côte d'Ivoire est surendettée. Ça, il faut en être sûr. La Côte d'Ivoire est surendettée parce que, déjà, par rapport à nos recettes propres, c'est-à-dire que les recettes fiscales. Dans la loi des finances de 2024, nous avons 6 190 milliards de recettes fiscales. Alors, le service de la dette à elle seule, elle absorbe 77% de ses recettes fiscales. C'est-à-dire qu'on a autour de 3 500 milliards. Mais justement, pour parler de recettes fiscales, selon nos investigations, aujourd'hui, les régies financières ont du mal aujourd'hui, on va dire, à boucler leur budget parce que ce soit, je dis n'importe quoi, au Trésor, à la douane, qui sont des gros pourvoyeurs du budget d'État, aujourd'hui n'arrivent pas à boucler au niveau des régies financières, au niveau des recettes qu'on leur demande. Cela, tout cela est dû à quoi, selon vous? C'est la politique Je ou... Allez-y. finis déjà sur le ratio au niveau de service de la dette OK. ressources propres. Vous avez 3 500 milliards de dettes, c'est-à-dire qu'on rembourse le capital. Autour de 1 320 milliards de charges de la dette, c'est-à-dire les intérêts. On se retrouve avec autour de 4 800 milliards. Comme je l'ai dit, ça fait 77%. Quand on finit de rembourser la dette par rapport à nos ressources propres, à plus suffisamment d'argent, évidemment, on est obligé d'aller s'endetter. C'est le problème. Alors, vous parlez Comme des on le dit régimes. de manière prosaïque, on prend crédit pour rembourser crédit, c'est ça? Ben, aujourd'hui, c'est ce que fait la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire fait ce qu'on appelle une gestion proactive de la dette. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire cherche à savoir, elle emprunte là, elle va rembourser les anciennes dettes. Et la gestion proactive, il y a deux façons de faire la gestion proactive de la dette. C'est-à-dire que vous faites du reprofilage, ou de la restructuration de la dette. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est du reprofilage. C'est-à-dire que soit on regroupe les dettes, on va s'endetter avec une tierce personne et on rembourse. Et parce que de l'autre côté, les taux sont Un moins regroupement élevés. en fait de crédit, Oui, comme comme on on le le fait ici. ah, comme on le fait, ouais, un Prenez regroupement de crédit, exactement ouais. la situation d'un particulier. C'est C'est ça, exactement un la question. regroupement de crédit, C'est c'est ce que ça. la Côte d'Ivoire fait. C'est-à-dire que vous êtes endetté, vous avez plusieurs crédits, ben vous allez voir une tierce personne, un organisme de crédit qui va vous prêter de l'argent, vous regroupez vos crédits et vous avez une seule mensualité. Ça, c'est ce que, à l'échelle d'un pays, c'est ce qui se fait, c'est la gestion proactive. Et pourquoi on est arrivé à la gestion proactive? Quand un pays fait de la gestion proactive, c'est parce qu'à l'horizon, il a vu des difficultés. Il sait que s'il ne fait pas cela, il sera en difficulté. Pourquoi aujourd'hui on permet la gestion proactive? Parce que, vous savez, Vous pensez que la Côte d'Ivoire peut être en difficulté alors qu'on voit qu'on a des gisements, on a du pétrole, on a d'autres barrages qui arrivent. Enfin, on parle de pas mal de découvertes et vous pensez qu'à mais l'horizon, il y aura des difficultés selon malgré vous? tout ça, on s'endette toujours. Ça veut dire Oui, que. mais quand vous dites que c'est parce qu'on pense qu'il y a des difficultés qu'on s'endette,
Est-ce que c'est pas contradictoire alors que les lieux, il y a des lieux d'espoir avec des découvertes de gisements, avec des découvertes de certaines ressources qui pourront permettre à la Côte d'Ivoire d'être autonome financièrement dans quelques années? Donc c'est où la difficulté Bon, selon moi vous? je parle du présent. C'est Voilà, dans maintenant le lorsque... futur ce qui va se passer. Mais je vous dis que en ce moment, la Côte d'Ivoire fait de la gestion proactive là-dedans. Oui, ça on l'entend. Maintenant, pourquoi on fait de la gestion proactive? C'est parce qu'on voit des difficultés venir. Sans doute Mais c'est parce là, que. je vous dis non. Par rapport aux difficultés, lorsque vous parlez de difficultés, je dirais, lorsqu'on voit les lueurs, on dit, il y a eu des découvertes par rapport à certains gisements de pétrole, par rapport à des minerais et autres. C'est où les On difficultés? peut découvrir des gisements, mais déjà, ce n'est pas tout de suite que c'est productif. Ça, c'est clair, Ça, oui. c'est d'un. De deux, combien nous gagnons? Parce que nous n'allons pas nous-mêmes extraire ce pétrole. C'est une autre entreprise et on sait déjà que les pays africains ne gagnent pas grand-chose. Donc, il ne faut pas compter sur ça. En réalité, il faut compter sur des ressources qui sont là. Mais après, ce sont les arguments que met l'État en avant, hein. Oui, mais On le voit, c'est hein. des arguments qui ne peuvent pas tenir parce que dans la réalité. Vous n'allez pas vous endetter en comptant sur quelqu'un qui vous a promis de l'argent ou alors en comptant sur un bien que vous allez vendre alors qu'il n'est même pas encore vendu, vous n'êtes pas sûr de le vendre. Je crois qu'il faut être dans le concret. La Côte d'Ivoire a des difficultés. Les raisons de cette difficulté, c'est que notre produit intérieur brut, déjà, le produit intérieur brut, je pense que la Côte d'Ivoire l'a surestimé. On a 47 000 milliards, mais je pense que la Côte d'Ivoire l'a surestimé et je peux vous donner les raisons. Allez-y, Alors, la Côte on est là d'Ivoire. pour Vous comprendre, hein. savez, en 2015, la Côte d'Ivoire est passée d'une méthodologie, je ne sais pas que la Côte d'Ivoire, la plupart des pays africains. Vous savez que pour calculer le produit intérieur brut, c'est l'ONU qui l'encadre à travers ce qu'on appelle un système de comptabilité nationale, SCN. Jusque-là, on utilisait le SCN 1993 pour calculer le produit intérieur brut. Quand il y a un SCN, un système de comptabilité, chaque pays choisit ce qu'on appelle une année de référence ou une année de base. Avec le SCN 93, la Côte d'Ivoire avait 1996 comme année de base pour calculer son produit intérieur. Et puis, l'ONU a estimé qu'il fallait désormais, pour calculer le produit intérieur brut, incorporer ou prendre en compte ce qu'on appelle les nouvelles technologies, notamment les brevets. Les États-Unis sont passés. Donc, on a mis en place justement le SCN 2008, le nouveau. Et la Côte d'Ivoire a choisi 2015 comme année de référence. Donc, notre produit intérieur brut, à partir de 2015, a été calculé avec la nouvelle méthodologie, c'est-à-dire le SCN 2008. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que selon l'ancienne méthodologie, la Côte d'Ivoire avait 19 000, autour de 500 milliards. Avec la 19 500 milliards ou 500 000? 19 500 5. milliards, 500 Oh. milliards de francs CFA comme Ok. produit intérieur brut. Ok. Au lieu des 47 000 Non, dont vous vous voyez parlez. ça, là, on est en 2015. Ok. 47 000, ça, c'est maintenant. Ok. Non, Et c'est vous dites que je suis, au fait. voilà. Donc, en 2000, avec la nouvelle méthodologie, donc le SCN 2008 base 2015, la Côte d'Ivoire a eu 27 000 milliards. Vous voyez le gap? Il y a une variation de 7 000 milliards, 7 400 milliards. Ça veut dire que je me rappelle que. Les populations, les partisans du pouvoir avaient dit que le président Ouattara a surestimé, enfin, a doublé le budget, le PIB en Côte d'Ivoire. En fait, il y a eu une hausse, une réévaluation de 38%. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a eu cette réévaluation? C'est parce que on a exagéré la valeur ajoutée de l'économie informelle. On a exagéré, En et je vais. termes beaucoup plus clairs, le jeune Ivoirien qui nous suit là, il va se dire, mais le monsieur, il dit quoi? Tout cela, ça impacte en quoi? Ou tous ces calculs, ça peut apporter quoi concrètement au vécu du jeune Ivoirien? Alors, Avec ces termes très techniques que vous quand on employez. dit que le produit intérieur brut a augmenté, ça veut dire que la Côte d'Ivoire crée beaucoup plus de richesses. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'argent qui Et circule en donc, d'autres pour termes. vous, les méthodes de calcul ont été tronquées. Ça a fait croire qu'on a beaucoup plus d'argent alors que ce n'était pas le cas. C'était En pas le termes cas, clairs. justement. Parce Voilà, en que fait, pour que le petit Yopougon puisse je vous comprendre, en fait, comprends, c'est je vous important. comprends. Mais c'est qu'en 2015, qu'on a changé de méthodologie, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, la plupart des pays, la Côte d'Ivoire a surévalué, surestimé, je pense, son produit intérieur brut de 38%. Le Nigeria, 60%. Le Ghana, 63%. Les pays africains en ont profité pour augmenter leur produit intérieur brut. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient baisser le taux d'endettement.
Et en 2015, quand la Côte d'Ivoire a augmenté son produit intérieur brut, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que notre taux d'endettement a baissé. Selon l'ancienne méthodologie, on était à 40% d'endettement. Avec la nouvelle méthodologie, on est tombé à 29%. Donc tous les pays africains l'ont fait pour encore plus avoir la facilité de s'endetter, c'est-à-dire de s'éloigner du seuil de 70%.